Bonjour, bienvenue dans cette vidéo où, à mon habitude, attention, je ne vais pas dire la vérité n'est pas conceptuelle. Donc je vais simplement proposer mon témoignage sincère. Un témoignage, comment je peux dire, sensible pour moi. Alors il y a plusieurs façons de l'aborder. Ce dont je vais parler, c'est malheureusement quelque chose d'excessivement banal. C'est quelque chose qui se passe très très fréquemment et qui est complètement normal, banalisé dans notre société. Dans la société, je dirais, alors on pourrait la dire capitaliste, on pourrait dire la société monétaire, en tout cas dans ce système qui se fonde sur la propriété comme une légitimité absolue, et donc forcément c'est celui qui a le plus d'argent pour acheter les choses qui décide que c'est à lui, que c'est pas aux autres, ce qui accompagne les colonisations, etc., etc. Donc plein de formes de colonisation. Moi j'assume de penser que la colonisation est un crime contre l'humanité, toutes les colonisations. Et donc là je vais parler d'une colonisation assez spéciale, une colonisation économique on pourrait dire. En tout cas, voici ce dont je vais parler. En ce moment même, là au moment où je fais cette vidéo, il se passe quelque chose de pour moi totalement dramatique au Maroc. Il y a énormément de villages sur la côte atlantique, c'est-à-dire au nord et au sud d'Agadir, au moins. Je n'ai pas toutes les infos, je ne sais pas si ça va, a priori ça va se passer bien ailleurs au Maroc, ça a dû déjà se passer ailleurs, hein, sans que j'en sois informé. C'est juste que là je connais des personnes sur place, donc j'ai pu être informé assez rapidement. Et ces villages sont simplement détruits pour construire des complexes touristiques. Les gens ont eu 24 heures pour partir, alors même si c'est des projets qui étaient annoncés depuis très très longtemps, hein, pour être honnête, ils n'ont pas découvert les choses, mais personne n'imaginait que ça irait jusqu'à cette extrémité de détruire les habitations des gens, les villages entiers. Voilà, c'est sûr que quand on connaît ces villages, ces gens, qu'on y a vécu, le rapport avec cette information est très très différent de peut-être toi à qui je parle, qui ne sait pas du tout de quoi je parle. Il n'y a rien de concret pour toi là-dedans. Pas très important. Je vais utiliser cet événement pour proposer une conscience plus globale. Le but, c'est pas de faire de l'information en disant oh là là, il se passe des choses horribles au Maroc. Bon, le fait est que ça se passe. Ce qui est très particulier pour moi, c'est que j'ai reçu par exemple hier des images d'un village qui a été détruit. Je vois pas tellement de différence, c'est même encore plus dévastateur que les images que j'ai reçues il y a quelques mois aussi du Maroc après un tremblement de terre. Et donc moi, c'est ça qui me choque énormément. Et puis ça vient appuyer ce que j'exprime dans beaucoup d'autres vidéos sur l'importance de la sémantique et à quel point c'est le système de pensée d'un humain qui va totalement orienter son expérience et son rapport au réel. Parce que si on vous dit c'est un tremblement de terre et ces gens, les pauvres, ils ont plus d'habitation, c'est l'hiver, ils peuvent plus vivre là où ils ont vécu pendant certaines familles, on m'a dit plus d'un siècle, en tout cas la plupart étaient là depuis longtemps, la plupart depuis toute leur vie. Ces gens avaient une maison, du jour au lendemain ils n'ont plus une maison, tout est détruit, brûlé, j'ai vu même qu'ils mettent le feu à des maisons. Si on vous dit c'est un tremblement de terre qui a fait ça, ça fera la une partout, ça provoquera la compassion de tout le monde. Mais exactement le même degré de destruction avec exactement les mêmes conséquences. Mais là cette fois on vous parle d'un complexe touristique. Et en plus on vous dit oui, mais en plus ces gens étaient là illégalement. Voilà, du coup c'est ok, personne n'en parle. Comme je l'ai dit, c'est banal, c'est normal. En fait, ça fait partie des valeurs de notre société, cette possibilité de détruire totalement la vie de quelqu'un parce qu'on va faire un complexe touristique ou autre. En gros, parce qu'il y a un projet avec beaucoup d'argent qui vient et qui détruit. Il y a eu plein de ZAD en France. C'est une problématique fréquente. Je me souviens quand j'habitais à Nice aussi, il y avait toute une vallée avec des centres commerciaux qui devaient être construits. J'étais allé visiter des gens qui étaient simplement expropriés, des gens qui croyaient en l'illusion de la propriété, qui pensaient que voilà, ils avaient leur maison, ils vivaient là depuis longtemps, des fois depuis leur enfance et tout. Puis là, nous, on leur a dit non, c'est plus ta maison, maintenant on va faire un centre commercial. Donc voilà, encore une fois, cette colonisation du plus d'argent contre le moins d'argent, tout à fait banale, fréquente, et pourtant humainement c'est hallucinant parce que c'est la même réalité. C'est même pire parce qu'un tremblement de terre, il n'y a personne qui est vraiment responsable, à part peut-être les gens qui ont dit ok, on fait un village là et qui ne sont pas informés sur le fait qu'il y a des risques sismiques. Mais là il y a des humains qui ont pris une décision et qui ont dit oui, on va détruire la maison de ces gens.
Ces gens n'ont pas de solution de remplacement, rien du tout. Alors sur l'illégalité, je voulais dire quelques mots aussi parce que c'est très 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 comment je pourrais dire, c'est très illégitime, je trouve. C'est un argument. C'est illégal les habitations de ces gens. Donc ça veut dire qu'on accepte une loi qui protège la notion de propriété. Et effectivement, dans le paradigme de cette loi qui protège la notion de propriété, ces gens n'ont pas fait. Alors, c'est pas si simple, hein, parce qu'il y a des personnes qui disent non, moi j'ai tout fait légalement, en fait, donc c'est pas vrai que j'avais pas le droit de vivre là. Donc, bon, en plus, il y a une contestation de ça, mais passons. Disons que, parlons des gens qui n'avaient pas les autorisations, etc. Bon, c'est ce qui se fait beaucoup, beaucoup au Maroc. Donc, je disais, cette loi, elle protège la notion de propriété. D'accord. Dans ce paradigme-là, effectivement, le complexe touristique a raison et les humains qui vivaient là ont tort. Maintenant, si on change de paradigme, si on envisageait en tant qu'humanité de faire des lois qui protègent non pas le fric et la propriété, mais qui protègent le respect, qui disent non, on va être respectueux des gens et des humains qui vivent là, on va les considérer avec respect. Ça ne veut pas forcément dire qu'on va rien faire, juste on va être respectueux du fait qu'ils vivent là. À ce moment-là, c'est dans ce paradigme-là, c'est exactement le contraire en fait. C'est les gens qui ont raison et c'est le complexe touristique qui a tort parce qu'il est violent, colonisateur, encore une fois, destructeur. Il vient là, il n'a aucune légitimité. Vous comprenez que les gens qui se sont appropriés cet endroit n'en ont pas de légitimité comparé à des gens qui vivent depuis très longtemps. En tout cas comprenez, en tout cas pour moi c'est assez évident. C'est vrai que moi je fonctionne dans le paradigme du respect, donc c'est ça que je voulais amener comme sujet, cette conscience que on nous a vendu la propriété comme quelque chose qui protège. Tout le monde va dire bah oui mais c'est bien la propriété, sinon n'importe qui peut venir prendre ta maison. Ben en fait c'est exactement le contraire dans les faits, moi dans mon observation. C'est-à-dire, j'observe que toutes les cultures qui ont créé la propriété, en fait elles se sont appropriées les lieux d'habitation. Donc on nous vend la propriété pour exactement le contraire de ce qu'elles sont. On nous fait croire que la propriété c'est une façon de respecter l'habitation des gens, que quand c'est à vous, bah, personne vient vous l'enlever. Mais c'est faux en fait, parce que la propriété en fait c'est toujours le gouvernement, donc on peut vous exproprier, on peut vous faire ce genre de choses. Il y a une situation génocidaire catastrophique en Palestine qui montre aussi qu'à un moment donné des gens vivent là depuis des familles et des familles, puis finalement on leur dit non mais c'est plus à toi, c'est à nous. Pourquoi ? C'est Dieu qui m'a donné le lieu. Donc cette notion de propriété, entre c'est Dieu qui m'a dit que c'est à moi ou c'est le gouvernement, il n'y a pas tellement de différence. Où est la légitimité ? Ça me semble beaucoup plus simple, beaucoup plus légitime, beaucoup plus direct de dire on arrive quelque part, il y a des gens, on respecte. Ça ne me semble pas demander beaucoup de maturité, de conscience. Ça me semble simple. Il y a des gens, on les respecte, on les tue pas, on les viole pas, on vole pas ce qu'ils ont fait, on détruit pas ce qu'ils ont fait. J'avoue que dans mon univers, dans mes valeurs, c'est ce qui est évident. Et donc cette évidence n'est absolument pas dans les valeurs de la société actuelle. Je pourrais dire beaucoup d'autres choses sur ce qui est en train de se passer, hein, parce que ça peut être critiqué des tas d'autres manières, mais je voulais vraiment pointer deux choses. Le fait qu'une violence, selon le mot qu'on met dessus, c'est normal ou c'est dramatique. Et puis je voulais critiquer, comme je l'ai déjà fait plein de fois dans d'autres vidéos, mais par ce support événementiel, je voulais critiquer encore une fois la notion de propriété pour démontrer le genre d'irrespect, de violence et de drame et d'inhumanité qu'elle peut créer. Juste à cause des mots qu'on a dans notre tête, parce que dans tous les cas, la propriété, c'est pas quelque chose qui existe, c'est pas quelque chose qui se voit, qui se touche. D'ailleurs, pour que ça puisse exister, on est obligé de créer tout un système avec des lois, des gouvernements, des prisons, des juges, des avocats, des notaires, qui créent en fait quelque chose qui n'existe pas, qui donne beaucoup de pouvoir à ces gens parce que ça n'existe pas. Un arbre, ça existe, il n'y a pas besoin d'un notaire pour dire là il y a un arbre, mais il y a besoin d'un notaire, d'un juge, d'un gouvernement pour dire là il y a une propriété. Ah bon, mais on la voit pas. Oui, mais c'est moi qui décide. Bon, d'accord. En commentaire, je vais remettre le texte de Jean-Jacques Rousseau. Là, je ne l'ai pas appris par cœur, je ne l'ai pas en tête.
qu'il a écrit en 1754, je crois, en dénonçant justement la folie de propriété. Ce texte est très concis, très clair. En gros, il fait la synthèse de tout ce que je viens de dire. Je le mettrai en commentaire pour aller le voir. C'est pas comme si ça fait pas très très longtemps qu'on nous apprend que c'est un problématique, cette notion de propriété. Moi, ce qui est assez... comment je peux dire, j'évite de trouver des expressions émotionnelles parce que mes émotions, ça me regarde, ça parle de moi, c'est pas le sujet, hein. Ce qui est dramatique pour moi, ce qui est hyper violent pour moi, le fait que si peu de gens devant une problématique comme ça cherchent une solution de fond. Voilà, on est dans l'acceptation, la résignation, ouais, c'est comme ça, bon, voilà, c'est la vie ou je ne sais quoi. J'avoue que c'est pas mon mouvement, moi j'ai envie de dire putain là il y a un gros problème, on voit bien le problème, c'est la propriété, allez on résout le problème, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre de plus intelligent que la propriété? En plus il y a une réponse, c'est le respect, donc ce serait pas très compliqué de faire des lois qui protègent le respect plutôt que de lois qui protègent la propriété. Donc des lois qui protègent les humains et pas les lois, les notaires, les juges et donc ceux qui ont plein de fric pour décider que ça c'est à eux. Ça serait vraiment pas très compliqué à faire en fait, hein. C'est juste une question de conscience et de volonté collective. Cette volonté collective n'existe pas. Si un jour elle existe, on pourra mettre ça en place. À bientôt pour d'autres vidéos. Ah, et je reviens parce que d'un coup je me suis dit, alors beaucoup d'entre vous peut-être ne vont pas connaître les noms des villages dont je vais parler. Mais pour ceux qui connaissent, j'avais envie de nommer ce que je sais. Alors encore une fois, je ne connais pas toutes les destructions qui ont lieu. Donc ça s'est passé il y a 3 jours jusqu'à maintenant. C'est en cours, hein, là tout de suite. Donc pour ceux qui ont déjà été au Maroc, ils vont peut-être se rendre compte de la gravité des choses. Je ne sais pas à chaque fois si c'est vraiment le village entier complètement qui a été détruit, si c'est une partie du village, etc. Mais je sais qu'il y a eu des destructions massives à Imsouan, à Tifnit, à Sidi Wassé, à Sidi Rbat, à Lexira, à Tahazout. Voilà les lieux où j'ai entendu parler, à Massa. Voilà les lieux où j'ai entendu parler de grosses destructions. C'est vraiment au sud et au nord de Agadir, sur la côte. C'est des lieux qui existaient et qui n'existent plus. Donc les gens qui ont passé du temps là-bas, voilà, c'est du passé. Ces choses ne sont plus là.